Tête, ok l'adjectif qualificatif attribut. a tri -bu. Alors, l'adjectif qualificatif épithète et l'adjectif qualificatif attribut. Alors, euh, je vais commencer l'explication par donner des exemples. On a des exemples. Maintenant, on a une. Euh, Fleur rouge, d'accord Alors une fleur rouge, d'accord Alors il y a, où est l'adjectif qualificatif Alors comment est la fleur La fleur est rouge. Alors comment est la fleur La fleur est rouge. Alors l'adjectif qualificatif il y a rouge, d'accord Où est le nom Finawa ou fleur. Alors fleur ou le nom Pardon, rouge il y a l'adjectif qualificatif. Alors, rouge, il y a adjectif qualificatif épithète. Là, on connais épithète. Alors, un autre exemple, je trouve l'explication plus claire. On La fleur est rouge. Alors, la fleur est rouge. Alors, comment est la fleur Elle est rouge. Alors, rouge, il y a l'adjectif qualificatif attribut.

D'accord. Il y a une préposition ou un verbe d'état, Alors l'adjectif qualificatif, jette On peut qu un qualificatif, il peut être placé soit après le nom, soit avant le nom. On peut dire ici une jolie fleur rouge. D'accord. Une jolie fleur rouge. On dit on une jolie fleur rouge. Alors, on a un adjectif s'accorde en, en genre et en nombre avec le nom. Alors, on a une jolie fleur rouge. Alors, jolie, c'est adjectif qualificatif. Rouge, adjectif qualificatif. Alors, jolie, c'est adjectif qualificatif, une, un adjectif qualificatif attribut. Euh, non, euh, épithète. Rouge, c'est adjectif qualificatif épithète. Alors, on a épithète épithète. Alors, on a. Il y a une jolie ou fleur. Il y a un verbe d'état ou une préposition. Il y a un verbe D'accord Alors, l'adjectif qualificatif épithète est placé directement avant le nom. Ou rouge, il est placé directement après le nom. D'accord Et il y a un l'adjectif qualificatif épithète. Et là, dit la fleur est rouge. La fleur est rouge. Alors, ici, là, on dit un le verbe est et c'est un verbe d'état qui sépare le nom de l'adjectif alors, la alors on a le verbe d'état qui qui le nom on l'adjectif alors l'adjectif qualificatif attribut d'accord il il n'est pas ou bien il ne suit pas directement euh, le nom et il est séparé du nom par un verbe d'état d'accord il est séparé du nom par un verbe d'état alors on va voir les verbes d'état alors les verbes d'état Salah Alors, les verbes d'état. Oui. Alors, les verbes d'état. Je n'ai pas les verbes d'état. Alors, les verbes d'état, qu'il y a être Être, par exemple, est. C'est un verbe d'état. Et. Qu'il paraît. Qu'il semblait. On euh, a commencé à le verbe il Semblait qu'il devenir. D'accord Qu'il devenir, qu'il avoir l'air. Ça l'a Avoir l'air. Euh, qu'il demeurait. qu'il qu restait. كاين <applause> باسي بور يعني هادو اكثر تداولا هادو مال فيغ ديتا اكثر تداولا اي لا فلور اي روج الو روج هذا سي ادكتيف كاليفيكاتيف اتريبيو علاش لانه ما يعني ما مرتبطش مباشره بالاسم الو كاين وسط منه بينه وبين الاسم كاين واحد لو فيرب ديتا اللي هو اي هنايا لي بيتات L'adjectif qualificatif suit directement le nom. Il m'a oublié le nom, mais qui couche un verbe d'état. D'accord Alors, qu'en est-il de un? Une voiture... N euh, euh, Alors, une voiture neuve. Je dis là. Alors, une voiture neuve. Alors, finir l'adjectif qualificatif, il y a neuve. Yeah, le nom ou voiture. Alors, hana, a, entre neuf et voiture, on je un verbe d'état. Je suis regarder les verbe à Mais andi, a, alors neuf, il y a adjectif, qualificatif, épithète, d'accord? Adjectif, qualificatif, épithète. Et après, on a l'adjectif qualificatif épithète. On a adjectif qualificatif attribut. En gros le matériel. Cette voiture, cette voiture, par exemple, disons semble, semble. Neuve, d'accord. Cette voiture semble neuve. l'adjectif qualificatif, est neuve. La voiture, alors mais entre la voiture et neuve, on dit un verbe d'état. Alors la voiture, il y a le nom, neuve, il y a adjectif qualificatif attribut, d'accord. Et يعني, il y a signe il y a des adjectifs qualificatifs qui sont suivis directement ou après no. le nom ou bien après le nom directement mais qui ne sont pas dans le nom le verbe data qui est être paraître sembler devenir avoir l'air demeurer rester passer pour n'a pas de verbe adjectif qualificatif attribut d'accord نعطيو اخر مثال اذا كنعطي غير امثله بسيطه باش التلاميذ يفهموا اصلا انا هاد الدروس هاد يعني هاد الدعم هذا كنديرو للتلاميذ اللي عندهم صعوبه في الفهم يعني خصك تدمع معاه دقه دقه ما تبداش معاه شي حاجه صعيبه وكبيره نقول مثلا أه... سو غارسون سو غارسون اي بولي مؤدب اي بولي الوغ سو غارسون اي بولي الوغ فين هي كاليفيكاتيف هي بولي فين هو لو نو غارسون الوغ لاحظوا معايا مزيان Yani, entre poli et garçon, il y un verbe d'état. Alors, automatiquement, poli, il y a adjectif qualificatif attribut. D'accord Ça fait, il y a un verbe d'état. Ça fait, il l'adjectif a un verbe d'état. Ça fait, là, bâtirer, ce garçon semble poli. Ou bien ce garçon a l'air poli. Il yani, y avoir l'air. Quand il dit le verbe avoir, 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 yani, avoir, il y a à. A l'air poli. D'accord euh, Brinan dit que ce garçon est poly. Brinan doit mettre un adjectif qualificatif épithète en goût de matière. Un poli garçon. Un poli garçon. Ah oula, on, poly. on dit un garçon poli. Un garçon poli. Alors, il y a un garçon au poli, mais il dit qu'il y a un verbe d'état. Il donne un poly, un adjectif qualificatif épithète. وهنايا ادجكتيف كاليفيكاتيف اتريبيو لان ما بينها وبين الاسم عندي ان فيرب ديتا كان معكم مراد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته